coucou à toutes et tous. Donc, comme je vous avais dit, me voilà de retour pour un tirage intemporel, donc avec le tarot de Wicca. Donc, ça va être un tirage flash, hein. Donc, je vais pas utiliser d'autres cartes, hein. Avant là, éventuellement, je vais peut-être utiliser un petit oracle pour préciser si je ressens le besoin de préciser un petit peu le message ou les messages qu'on a à vous transmettre. Donc, je vais faire un tirage de 5 cartes. Donc, vous devez entendre les oiseaux parce que j'ai ouvert ma fenêtre, parce que j'ai un encens qui sent très très fort. Et du coup, c'est bien parce que j'ai les petits chants des oiseaux. Donc, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, comme d'habitude, je vais quand même aller voir le premier message à la coupe. Alors, ah, nous avons la carte de l'unité. La carte 21. Alors, dans le tarot de Marseille, ça correspond à la carte du monde. Donc, là, cette carte, en fait, le message, les messages, en fait, ça peut être succès, accomplissement, trouver son âme sœur. Donc, on va aller voir. Et là, on a l'apprenti d'épée. Donc là on parle de quelqu'un de passionné. Moi je vois quelqu'un de passionné. Peut-être un succès dans une création peut-être. S'accomplir peut-être dans un travail ou dans une histoire d'amour. Peut-être que quelqu'un va se battre pour l'amour de quelqu'un là. Donc allons-y. Alors 5 cartes mes guides. Quelles vont être vos messages ou le message à transmettre avec le tarot de la sensualité de Wicca aux personnes qui regardent cette vidéo. Merci de me donner un message clair, précis. Ok. Alors. Alors. On a de jolies cartes là. On a la mer, la carte 3, qui correspond. Oh, j'ai trop de cartes là, Nikita. Est-ce que je prends la première? Non, je vais voir si elle ressort. On a la carte 3, en fait, qui correspond à la carte de l'impératrice. Oh, j'ai trop de cartes là aussi. L'impératrice. Donc, et on a la carte de la passion. La carte la carte 8. Alors la passion, c'est pareil, c'est la carte de la force là, dans le tarot de Marseille. On parle de courage. Alors là, on a affaire vraiment à une impératrice courageuse. Qui affronte peut-être des situations difficiles. J'en ai trois, je vais prendre celle-là. On a la carte du pendu là, alors qui est à l'envers. Ouais. Je pense qu'on a une femme là qui se bat en fait. Qui se bat hein, avec force, hein, avec courage, hein, par rapport à quelque chose, hein, où elle est victime. Là, on a la mère de denier. Donc, cette femme, c'est une femme
dominatrice. On a le 9 de coupe aussi. Alors après, vous mettez par rapport à votre situation. Moi, j'ai compris le message, hein. Il y a une femme qui est victime là, victime de quelqu'un qui la domine. Alors, je ne sais pas si cette personne qui la domine, est-ce que c'est un parent, est-ce que c'est son conjoint. En tout cas, elle est vraiment victime, mais elle se bat avec courage. Elle a des enfants, cette impératrice, hein. Cette mère, hein. Elle a des enfants. Mais on voit en fait, il y a quand même de l'abondance à revenir, du bien-être à revenir là, pour cette femme. Donc on est vraiment dans une situation, ouais, dominatrice, peut-être une femme. Là, ça peut être une femme ou un homme. Vous mettez vraiment par rapport à votre situation, hein, comme c'est du général, hein, comme là, hein, vous êtes peut-être un homme, un papa de famille, hein, qui avait le courage en fait d'aller contre. Contre cette femme qui est dominatrice, et puis il y a quelqu'un en fait, il y a un bien-être en fait à revenir, en tout cas, ça c'est certain. Il y a un bien-être à revenir, ça c'est certain. Ouais, mais je vais aller chercher. Je vais prendre quelques messages avec le Gwyn le Normand. Donc, pareil, 5 cartes m'guident. Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va aller chercher une carte pour cette mère ou ce père de famille. Vous mettez vraiment, vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous seulement. Ouais, alors là, on a la carte 30, 34, hein. On a les poissons là. On a quelqu'un qui a peut-être sans doute des raisons de se plaindre, qui a sûrement des raisons de se lamenter, peut-être qu'il pleure, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui pleure beaucoup. Ouais. Qui pleure beaucoup. Et on a la carte de la tour, hein. C'est quelqu'un peut-être qui vit dans la solitude, qui n'a peut-être qui a peut-être ses faits et gestes un petit peu restreints, qui n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut en fait dans cette situation-là. Ouais, alors je vais aller compléter les autres cartes. Ah, on a l'étoile là, hein. Ouais. Mais vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne très courageuse. On a la lettre. Alors, sur cette personne qui domine. Peut-être une perverse ou un pervers narcissique, hein, aussi, hein, qui veut manipuler, qui veut, comment dire, hein. Cette personne en fait cherche en fait à vous gérer. On parle d'ancrage. C'est quelque chose qui est vraiment installé en plus, hein. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes courageuse. Ça doit faire longtemps que. Ouais, alors là, on a la Renaissance, c'est super. Là, ça doit faire longtemps en fait que vous êtes dans cette situation. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise en fait sur cette situation. Il faut la quitter, cette situation. Faut que vous ayez de l'espoir, hein. De vous dire que vous pouvez vous détacher de cette situation. Là, sur le pendu, cette confusion, ah, peut-être que vous allez avoir un courrier en fait qui va vous mettre,
qui va vous mettre peut-être dans la confusion. Moi, j'ai envie de vous dire, quand vous allez recevoir, si vous recevez un courrier, hein, d'y aller doucement, de prendre de vérifier les informations qu'on vous envoie. Là, vous allez avoir beaucoup de courage, de volonté. Vous allez avoir de la clarté. Hein. Et là, on a la renaissance. Hein, sur le bien-être, le retour du bien-être. Hein. Donc voilà, en fait, le message, là, en fait, c'est sûrement pour une personne qui est peut-être... qui se sent dominée hein, par un conjoint ou une conjointe, à moins que ça soit un parent. Ça peut être aussi hein, un parent. Hein. De toute façon, si ça résonne en vous, vous savez qui est cette personne qui vous domine, hein, qui veut un petit peu gérer votre vie. Vous savez qui c'est, vous. Hein. On dit que vous avez le courage, la volonté, et vous allez avoir des éclaircissements, de la clarté hein, sur cette personne. En fait, je pense que des fois, vous vous dites, oui, mais cette personne m'apporte ci, m'apporte du ça, j'ai quand même un confort. Mais vous allez avoir des éclaircissements, en fait, sur cette personne, que non, vous vous trompez pas, en fait. Le si peu qu'elle vous apporte, le si peu, parce que je pense qu'il n'y a pas tant que ça. Et puis, des fois, c'est peut-être juste dans le matériel ou pour vous mettre un petit peu d'étoile dans les yeux quand elle voit que vous commencez à y voir un petit peu plus clair. Hein. Et en fait, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a des informations que vous allez recevoir. C'est le message que j'ai. On vous dit de les vérifier. Tout de même, hein, de vérifier ces informations, déjà de qui ça vient. Et on vous dit, en fait, il faut vraiment lâcher en fait cette emprise. Faut vraiment la lâcher, en fait. Faut vraiment lâcher cette emprise. Hein. Cette emprise n'est pas... Vous devez vivre libre. Ça veut dire que vous avez le droit de sortir, de faire ce que vous avez envie, comme vous le voulez. Bien sûr, dans le raisonnable. Quand on est en couple, bien sûr, on n'a pas non plus le droit de tout et de rien. Il faut respecter l'autre. Mais à partir du moment que c'est toujours dans le respect de l'autre, vous êtes en droit de faire comme... de mener votre vie comme vous le voulez. Donc voilà, c'est ça que... C'est ça le message. Tant que vous êtes dans le respect de l'autre. Là, en fait, cette personne n'est pas du tout dans le respect. Puisqu'elle veut vous emprisonner, en fait. Donc voilà. Mais on vous dit, en fait, que le bien-être est de retour et vous allez vivre vraiment une renaissance. Donc voilà. Donc ça fait déjà presque 13 minutes la vidéo. Donc je vais finir par... des messages par Jessica le petit oracle de la forêt, puisque je voulais que ça soit un petit tirage flash. Hein. Ouais, il y a la mise en garde là. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Ouais, je pense qu'il faut que vous fassiez attention parce que cette personne peut être très méchante. Hein. Les sous-bois, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois. Si seulement vous tendiez l'oreille. Hein. Ouais, on vous dit peut-être tendre l'oreille. Hein. Il y a peut-être quelque chose à entendre. Peut-être que on vous donne des conseils. Peut-être qu'on vous encourage à voir vraiment la situation. Et peut-être que des fois, vous n'entendez pas, en fait, vous n'écoutez pas, en fait, ce qu'on vous dit, mais peut-être parce que c'est compliqué, en fait, de sortir de cette situation. Amis, les amitiés les plus improbables, les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc, et puis on va finir, en fait, avec la carte « Lâcher prise ». Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. En fait, cette situation, faut l'accepter. Elle ne changera pas parce qu'on ne peut pas changer cette personne, je suppose. Et mais vous devez en fait retrouver votre bien-être et votre liberté. Donc voilà, ça va être tout. Donc voilà. Donc si ça parle à quelqu'un. N'hésitez pas à me dire. C'est vrai que là, du coup, je vais m'arrêter là, comme je voulais que ce soit un petit tirage
donc Flash. Donc, mais bon, après, si vous voulez plus de précision, si vous voulez un autre tirage, surtout, bah, n'hésitez pas à me demander en privé, hein. Donc, vous pouvez m'envoyer un message via Messenger. De toute façon, dans le descriptif, vous devriez trouver tout ce que vous avez besoin. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.